1940, à l'issue d'une guerre éclair de 5 semaines, les armées allemandes, après avoir envahi la Belgique et les Pays-Bas, infligent aux armées françaises une défaite sans précédent. Le 17 juin, le maréchal Philippe Pétain demande la cessation des hostilités. Le 22 juin 1940, l'article 2 du traité d'armistice signé dans le wagon de Rotonde institue le découpage de la France en deux par une ligne de démarcation de 1200 km qui court d'est en ouest de la frontière suisse jusqu'à la Touraine pour ensuite piquer à angle droit au sud vers les Pyrénées.